choisis rien. Non, non, j'ai rien. Je te connais, je sais quand tu fais ça. Non, je c'est beau, bon, c'est beau. Tu peux pas me dire ça. Juste prends la face que tu m'as fait tout à l'heure. Non, non, explique-moi, fais juste m'expliquer. Je suis fatiguée, je veux juste rentrer chez nous. Oh, mais c'est tout le temps ça que tu dis. C'est là qu'il faut le régler, tu comprends-tu? Non. C'est là qu'il faut le régler. Non. Toi, tu vas rentrer chez toi, ça va être simple pour toi. Toi, ça va, hein? Dans ta tête, c'est clair. Non, ça me tente pas d'en parler, là. Mais tu vas retourner dans ta bulle, puis on va encore être juste deux personnes à part. On est plus un duo, c'est plus comme avant. Je sais pas, tu vas tout le temps t'isoler après qu'on ait cette discussion-là. On peut plus jamais rien régler, on peut même pas parler. Il y a quelque chose que j'ai fait, tu veux même pas me le dire. T'es dans ta tête, t'as des problèmes, tu veux rester tout seul dans ta bulle. Je peux même pas rentrer dans ta bulle, on est plus ensemble. Ben oui. Moi, je suis seul chez moi, puis je me demande ce que j'ai fait de pas correct. Parce qu'il y a quelque chose que j'ai fait de pas correct. Tu m'étouffes, je veux juste rentrer chez nous, OK? Ça suffit, là. Retourne dans ta bulle. Ça va rien régler. T'as pas de manteau? Il est dans mon sac. Ah. T'as l'air fatiguée, en tout cas. Je peux-tu rentrer? Ah oui, viens-t'en. T'as reçu mon colis, au moins? Ta mère a dit qu'elle te le donnerait. Je l'ai fait chipper à sa job parce que je me rappelle plus de votre nouvelle adresse. Oui, j'ai reçu, merci, c'est gentil. Salut. Puis qu'est-ce qu'on fait? Ben, je sais pas. Viens. Ça fait combien de temps qu'on s'est pas vu? À peu près 2 ans, je crois. Mais c'était quand? Ah, c'était aux 50 ans de ton père. Tes parents avaient invité les miens, puis on est descendus d'Ottawa, mais on n'est pas resté longtemps. On avait dormi chez ma tante Lisette à cette année. Oh oui, c'est vrai. Ça fait si longtemps que ça? Ouais, c'était en avril de l'an passé, puis maintenant on est en novembre. Arc, c'est quoi ça? Hey, c'est ma tune de secondaire. Et mon amie Charlotte et moi, on écoutait tout le temps. Puis, on sortit. Ben, ça devait être ici, pourtant. Ils ont peut-être annulé. Oh my God, tu me niaises, là? C'est niaiseux, je voulais juste qu'on ait du fun. Je m'excuse. Ben non, ça n'a pas rapport avec toi, là. Inquiète pas pour ça. Est-ce que tu veux qu'on en parle? Non, c'est beau, là. Où c'est que tu veux qu'on aille, maintenant? Ben, apparemment, il fait super beau sur le pont le soir. Est-ce que ça te tente? OK, ben, let's go! Toute la journée pour qu'on joue à la cachette, puis ça nous tentait zéro. On n'arrêtait pas de l'ignorer. On écoutait un film à ta mère. On est allé chercher après pour qu'elle se couche, mais on le trouvait plus. Puis on avait beau l'appeler, pas de signe de vie. Puis il faisait assez chaud cette journée-là. Hein? J'étais sûre qu'elle avait fait une fugue, puis qu'elle allait faire mourir d'un coup de chaleur. Oh, quand mes parents sont revenus, ils avaient tellement capoté. Ils ont appelé la police. Puis c'est là qu'on a entendu d'un coin de la pièce. Pourquoi vous dormez pas?
Oh, il s'était endormi dans sa cachette, l'espèce. C'était quoi le film déjà? Je suis Camille Claudel. Et si vous l'ignorez, je saurai vous l'apprendre. Lacey? Pourquoi t'es là? J'avais besoin d'un break, je pense. Mais il se passe de quoi? Parents séparent. Je pensais que j'étais capable, mais c'est lourd, là. Je pense que j'avais besoin de prendre l'air. Qu'on devrait séparer. Ça marche juste plus nous deux, puis tu sais. En plus, on est ailleurs maintenant. Puis si moi je veux rester ici, si je veux pas aller ailleurs.